Malheureusement, pour cette occasion que vous Ah me non, 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 monsieur. faites à chaque fois pour faire des lives, vraiment bravo et bonne continuation. Merci beaucoup, C'est monsieur. une très bonne initiative. Donc, aujourd'hui, on va parler des anémies régénératives. C'est un autre volet des anémies. La dernière fois, on appelait les anémies régénératives. Et surtout, on va parler des anémies hémolytiques qui constituent la partie exclusive des anémies régénératives. Alors, pour commencer, quelles sont ces anémies régénératives? Comment on va les définir? Toujours, premièrement, par une anémie. Et cette anémie, elle est régénérative. Je ne reviendrai pas sur la définition de l'anémie, qui est une diminution du taux d'hémoglobine, mais le caractère régénératif est défini par un taux de réticulocytes supérieur à 120 000 par microlitre. Cette hyperréticulocytose traduit une cause périphérique. C'est-à-dire que l'anémie, elle est périphérique et on dit que cette anémie, elle est sanguine. C'est pour cette raison que le myélogramme n'est pas indispensable au diagnostic. Alors, quelles sont les étiologies de cette hyperréticulocytose? Déjà, il faut savoir. Une hyperréticulocytose définit une hyper-régénération des globules rouges par la moelle osseuse. Et dans ce cas de figure, on est devant deux situations. La première, ce sont les hyperhémolyses, c'est-à-dire que le globule rouge est détruit dans le sang. La deuxième situation, ce sont les hémorragies foudroyantes et abondantes. Lorsqu'il y a hémorragie foudroyante et abondante, la moelle osseuse va régénérer. Elle va produire, essayer de produire plus de globules rouges pour compenser la perte sanguine. Il faut savoir que les hémorragies de faible abondance n'entraînent pas d'hyperréticulocytose. Et cette réticulocytose est légèrement retardée par rapport à l'anémie, hein, parce qu'il faut que du temps pour que la moelle commence à se régénérer. Donc, bien sûr, on va surtout tabler sur les hyperhémolyses, car les hémorragies foudroyantes, telles que les accidents de la voie publique, les fractures ouvertes, les blessés par balles, tous ces accidents, tous ces traumatismes engendrent des hémorragies, mais ça ne fait pas partie des causes hématologiques. Donc, on va parler des anémies hémolytiques. Et qu'est-ce que c'est qu'une anémie hémolytique? C'est un raccourcissement de la durée de vie des globules rouges, au-dessous de 120 jours. Parce qu'un globule rouge, lorsqu'il sort dans la circulation, il va vivre en moyenne 120 jours. Eh bien, lors d'une anémie hémolytique, il y a un raccourcissement de cette durée de vie. Alors, comment on va classer les anémies hémolytiques? En fait, il y a quatre types de classification. La première, c'est selon le siège. Est-ce que cette hyperhémolyse survient dans la circulation sanguine? C'est-à-dire dans le sang. On dit que son siège, il est intravasculaire. Et lorsque les globules rouges sont détruits dans le vaisseau, eh bien, l'hémoglobine est libérée
dans le plasma. Le plasma, normalement, est de couleur jaune, citrin. Il va devenir rosé parce qu'il va être teinté par de l'hémoglobine. Cette hémoglobine dans le plasma va passer dans les urines. On va dire qu'il y a hémoglobinurie. Donc, hémoglobinémie dans le plasma et hémoglobinurie dans les urines. Le deuxième siège, il est intratissulaire dans les tissus, notamment la rate et la moelle osseuse, entraînant une splénomégalie. Et lorsque l'hémoglobine est libérée, lorsque les macrophages de la rate phagocytent les globules rouges, l'hémoglobine va se transformer en bilirubine, donnant un ictère. Voilà pour la première classification. La deuxième classification est selon l'évolution clinique. Il y a trois types d'évolution. En fait, il y a deux types. Le troisième est un mélange des deux. Le premier type, c'est les formes aiguës qui surviennent évoluent en quelques heures, voire un à deux jours. La deuxième forme clinique, c'est la forme chronique qui va durer dans le temps. Mais il existe des formes cliniques avec un fond chronique émaillé par des accès aigus sur un fond chronique. La troisième classification, c'est selon l'étiologie. Il y a deux types d'étiologie. Ce sont les anémies dites corpusculaires, c'est-à-dire que le globule rouge, l'anomalie se trouve dans le globule rouge, dans l'hémoglobine, la membrane, les enzymes, c'est le globule rouge qui est en cause de cette hémolyse. La deuxième cause, elle est extracorpusculaire, c'est-à-dire le globule rouge, il est normal, mais il existe un facteur exogène, par exemple une bactérie, ou lors du paludisme. Le paludisme se manifeste par une anémie hémolytique. Le venin de serpent, ça c'est un facteur extra-corpusculaire. La troisième classification, elle est facile. Soit l'hémolyse est dite de type congénital, comme par exemple dans le cas d'un syndrome thalassémique. Les bêta-thalassémiques, ce sont des hyperhémolyses congénitaux, alors que, par exemple, les anémies hémolytiques auto-immunes, c'est une anémie qui est acquise. Voilà pour les classifications des anémies hémolytiques. Maintenant, on va parler du langage pour la terminologie, comme ça vous avez toute la terminologie en tête. On va commencer par la clinique et on va décrire la forme aiguë. Et la forme aiguë, comme je viens de le dire, c'est que le début, il est brutal et l'installation se fait en quelques heures, voire un jour à deux jours au maximum. L'exemple le plus simple et le plus courant, lors d'une transfusion sanguine. Si vous avez un malade du groupe A et vous lui transfusez du sang du groupe B,
eh bien, il va faire une anémie hémolytique au cours de cette transfusion. Un patient qui est de rhésus négatif et que vous transfusez avec des globules rouges de rhésus positif. La première transfusion, elle est inaperçue, mais la deuxième, elle va être brutale avec une hyperhémolyse. On va en parler dans notre prochain live lorsqu'on fera les accidents de la transfusion. Et donc, dans les formes cliniques, généralement, il s'agit d'une hyperhémolyse, hémolyse vasculaire. Dans les formes aiguës, il s'agit généralement d'une hyperhémolyse intravasculaire. Alors, cette hémolyse aiguë va donner naissance à trois groupes de signes cliniques. Premièrement, les signes d'état de choc, les signes dits urinaires et les signes dits abdominaux. Donc, le premier groupe de signes, ce sont les signes d'état de choc, avec une pâleur, bien sûr, une fièvre, des frissons, des froideurs de l'extrémité, des extrémités à la phase dite latente. Et après, une faiblesse. Le malade, il est prostré. Il est prostré et avec, à la phase d'état, on a une hypotension, une tachycardie, voire même un collapsus cardiovasculaire. Le deuxième groupe de signes, ce sont les signes urinaires qui se manifestent par des douleurs lombaires, des hémoglobinuries. L'hémoglobine va passer dans les urines, donnant des urines rouges, rouges partout. Et on peut avoir une oligo-anurie, voire carrément une anurie. Et le troisième groupe de signes, ce sont les signes abdominaux avec douleur abdominale, des nausées, vomissements, des diarrhées. Voilà le tableau clinique de la forme aiguë. Maintenant, parlons de la forme chronique. Et la forme chronique, elle est d'installation insidieuse, plus d'une semaine, quelques semaines à quelques mois. Et généralement, il s'agit d'une hémolyse intratissulaire, c'est-à-dire que lorsque le globule rouge passe à travers la rate, il va être capté par les macrophages. Et l'hémoglobine qui est à l'intérieur va se transformer en ce qu'on appelle de la bilirubine. Et donc, dans les formes chroniques, on a premièrement une anémie qui se manifeste par une pâleur qu'on juge sur la face interne de la conjonctive. La bilirubine formée va donner ce qu'on appelle l'ictère ou un subictère conjonctival avec une coloration jaune de la sclérotique de l'œil. Et le troisième signe, c'est la splénomégalie. La splénomégalie. Et donc, ces trois signes, on les appelle la triade hémolytique. Anémie, ictère, splénomégalie. Maintenant, on a terminé avec la clinique, la biologie. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une anémie. Cette anémie, elle est normocytaire ou légèrement macrocytaire. Pourquoi?
parce que le réticulocyte a une paille un petit peu plus grande que le globule rouge mature. C'est pour ça que le VGM augmente. Le VGM est supérieur à 80 microcubes. Cette anémie, elle est aussi normochrome, parce que le CCMH est entre 32 et 36%. Et je viens de le dire, le taux de réticulocytes est supérieur à 120 000 réticulocytes par 1000 mètres cubes. Et donc, cette anémie, elle est régénérative. Mais cette régénération, je répète, elle est légèrement plus tardive par rapport à l'anémie. Maintenant, une exception. Pourquoi une exception? Les syndromes thalassémiques, ce sont des hémoglobinopathies. Et vu que c'est une anomalie de synthèse de l'hémoglobine, vous vous rappelez que l'anémie thyrétrique, c'est une anomalie de la synthèse de l'hémoglobine qui donne une anémie qui est microcytaire, hypochrome, et elle est régénérative. C'est la seule étiologie où l'anémie, elle est microcytaire, hypochrome, à régénérative dans les syndromes thalassémiques. En dehors de ces syndromes thalassémiques, généralement, l'anémie, elle est normocytaire, voire légèrement macrocytaire, normochrome régénérative. Voilà ce que je voulais dire sur l'hémogramme. Maintenant, le taux de globules blancs, il est normal, mais on peut avoir une hyperleucocytose à PNN, voire même une myélémie. Vous allez voir que la myélémie, c'est la sortie des cellules médulaires, comme les mépamyélocytes, les myélocytes, myéloïdes, vers la périphérie. Le taux de plaquettes, il est normal, mais on peut avoir une thrombocytose modérée. Et cette hyperleucocytose avec myélémie et thrombocytose traduisent une hyper-régénération de la moelle. Tellement la moelle elle est stimulée, elle va produire non seulement des globules rouges, des réticulocytes, mais aussi des PNN et des plaquettes. C'est des signes d'hyper-régénération. Alors, le petit sang, qui est une goutte de sang qu'on va étaler sur une lame et on va colorer au MGG, qu'est-ce qu'il va montrer? Une polychromatie, parce que les globules rouges, les réticulocytes contiennent de l'ARN. Et cet ARN, vous savez, c'est un acide ribonucléique. Et donc, il va attirer les bases, comme le bleu de méthylène, il va donner des globules rouges violacés. On appelle ça la polychromatophilie. On peut avoir même des érythroblastes qui vont sortir vers la périphérie. On appelle ça une érythroblastose périphérique. Je rappelle encore une fois, le myélogramme est inutile au diagnostic positif des hyperhémolyses. Maintenant, rappelons que les bilans biochimiques, on est devant deux situations. Soit l'hyperhémolyse, il est de forme aiguë ou chronique. Dans la forme aiguë, l'hémolyse, il est intravasculaire et donc, lorsque le globule rouge est détruit dans le sang,
il va libérer l'hémoglobine. Et l'hémoglobine va colorer le plasma. On appelle ça l'hémoglobinémie. On va voir aussi cette hémoglobine libérée dans le plasma va passer dans les urines. Hein, avec une bandelette urinaire, on va retrouver une hémoglobinurie et des urines qui sont rouges. Mais dans l'hémolyse chronique, le globule rouge n'est pas détruit dans le plasma, dans le sang. Il est détruit dans le tissu, dans la rate. Et donc, phagocyté par les macrophages de la rate. Et donc, il n'y a pas d'hémoglobinémie, ni d'hémoglobinurie. Par ailleurs, la bilirubine libre, qu'on appelle la bilirubine directe, elle augmente parce que l'hémoglobine dans les macrophages va être transformée en une bilirubine non conjuguée, dite bilirubine libre. Alors que dans l'hyperhémolyse aiguë, cette augmentation de la bilirubine libre est secondaire. Elle est légèrement augmentée parce qu'une partie de l'hémoglobine va être captée par les macrophages transformée en bilirubine. L'haptoglobine est une protéine qui fixe l'hémoglobine. Et donc, l'haptoglobine, normalement, elle est sous forme de trace, une infime quantité dans le plasma. Lorsque l'hémoglobine est libérée dans le plasma, l'haptoglobine va capter cette hémoglobine. Elle ne va plus être libre. Elle va s'effondrer. On dit que l'haptoglobine n'est plus libre parce qu'elle a capté de l'hémoglobine. Elle est devenue une haptoglobine saturée. Alors qu'elle augmente parce qu'il n'y a pas de passage d'hémoglobine dans le plasma, il y a une petite quantité quand même qui passe dans le plasma, pas beaucoup, et donc elle va légèrement être diminuée dans les hyperhémolyses chroniques. Bien sûr, le taux de LDH, les LDH, les lactodéhydrogénases, ce sont des produits de dégradation de la membrane du globule rouge. Lorsque le globule rouge est détruit, eh bien, il y a libération des LDH. Et dernièrement, le fer sérique, le fer qui est contenu dans les globules rouges, va être libéré dans le plasma, entraînant une augmentation du taux du fer sérique. On est arrivé aux étiologies. Eh bien, on va commencer par les étiologies dites congénitales. Et je commencerai par les anomalies de l'hémoglobine. On appelle ça les hémoglobinopathies. Et parmi les hémoglobinopathies, je citerai les bêta-thalassémies. Hein? Et les bêta-thalassémies, c'est une anomalie de synthèse des chaînes bêta de globine. Vous savez que la molécule d'hémoglobine est constituée de deux chaînes alpha et de deux chaînes bêta. Je commence par les bêta-thalassémies parce que c'est l'anémie hémolytique la plus fréquente chez nous. Et il existe trois formes cliniques.
Premièrement, les bêta-thalassémies majeures, qu'on appelle la maladie de Coulet. Et cette bêta-thalassémie majeure, elle se manifeste premièrement à l'âge très précoce, dès les 6 premiers mois de la vie, hein, avec une phase départ à l'âge de 1 an. Bien sûr, c'est une anémie hémolytique chronique. Donc, il y a une triade d'hémolyse. Anémie, ictère et splénomégalie. Le faciès, il est mongoloïde. Pourquoi? Il y a une dysmorphie crânio-faciale. Parce que l'espace médulaire, la moelle, elle est tellement stimulée, elle synthétise des réticulocytes qu'elle va prendre de la place dans l'os et elle va déformer les os de la face, entraînant un faciès dit de type mongoloïde. Il y a une susceptibilité accrue à des infections à répétition, un retard spaturo-pandéral et pubertaire. Voilà les différents signes cliniques de l'anémie des bêta-thalassémies dans leur forme majeure. Maintenant, on va parler des thalassémies. Il y a une deuxième forme clinique qu'on appelle les thalassémies intermédiaires. Et les thalassémies intermédiaires, leur définition est purement clinique. C'est une forme qui est moins grave, moins intense que les thalassémies majeures. Ce sont des formes atténuées par rapport aux thalassémies majeures. L'âge, il est tardif. Ce n'est pas 6 mois à 1 an comme les thalassémies majeures. Ça survient au-delà de 4 ans. Et il y a une bonne tolérance de l'anémie, car l'hémoglobine reste dans les environs de 7 grammes par décilitre. La croissance, plus ou moins, elle est satisfaisante. Il n'y a pas un grand retard spaturo-pondéral et la splénomégalie, elle est plus ou moins modérée. Voilà pour les thalassémies intermédiaires. Maintenant, il y a une troisième forme de thalassémie qu'on appelle les thalassémies mineures. En fait, les thalassémies mineures, ce sont des porteurs du gène du thalassémie, parce que la bêta-thalassémie est une maladie autosomale récessive. Ce sont des hétérozygotes et ils sont asymptomatiques. C'est des porteurs sains de la maladie. En fait, c'est la forme hétérozygote et biologiquement, on peut retrouver ce qu'on appelle une pseudo-polyglobulie microcytaire. Et en plus, le taux d'hémoglobine A2 est supérieur à 3,3%. Voilà pour les trois formes bêta-thalassémie, les trois formes cliniques de bêta-thalassémie. Après les formes cliniques, on passe à la biologie. Qu'est-ce qu'elle montre? La biologie montre une anémie, je l'ai dit tout à l'heure, une anémie qui est microcytaire, hypochrome et régénérative. Deuxièmement, sur le petit sang, on peut retrouver une dystrophie érythrocytaire. Les globules rouges sont mal formés avec des cellules cibles. Une étudiante a posé une question lors du live précédent, elle m'a dit
est-ce que les globules rouges sous forme d'une poire existent dans les thalassémies? Oui, on peut retrouver des globules rouges en forme de poire, qu'on appelle la poïkilocytose, l'anisocytose. Oui, les signes de régénération à type d'hyperleucocytose avec myélémie, thrombocytose. Et l'électrophorèse de l'hémoglobine. Qu'est-ce qui montre l'électrophorèse de l'hémoglobine? Elle montre, normalement, chez un individu normal, il y a trois types d'hémoglobine. Mais l'hémoglobine A1 constitue 97% de toute l'hémoglobine humaine. Alors que l'hémoglobine fœtale, elle est à l'état de trace chez un adulte normal ou un enfant après l'âge de 1 an. En cas d'une bêta-thalassémie maintenant qui est homozygote, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, l'hémoglobine normale A1 est absente lorsqu'on est devant ce qu'on appelle une bêta-0 arabe, où elle est très diminuée, très faible, lorsqu'on est devant une bêta-plus thalassémie. Mais l'hémoglobine fœtale constitue 30 à 95% de l'ensemble de l'hémoglobine retrouvée chez le malade. Donc, il y a une majorité d'hémoglobine fœtale. Rappelez-vous que cette maladie est une maladie génétique. Donc, il faut faire ce qu'on appelle une enquête familiale. Il faut faire l'électrophorèse chez les parents. Et si, afin de voir est-ce que les parents sont porteurs du gène, normalement ils sont de type thalassémie hétérozygote. Qu'est-ce qu'on retrouve chez les parents? Eh bien, on va voir qu'il y a une hémoglobine A2 qui est supérieure à 3,3%. On a dit que c'est la forme mineure de la bêta-thalassémie. Maintenant, après les bêta-thalassémies, on passe aux alpha-thalassémies. Et il existe trois formes cliniques. La première, c'est l'anasarque photoplacentaire qui est incompatible avec la vie. Vous savez que dans la molécule d'hémoglobine, il y a quatre chaînes de globine, deux chaînes alpha et deux chaînes bêta. Et chaque chaîne est codée par deux allèles. Et si les quatre allèles sont absents, eh bien, on dit que ceci va donner ce qu'on appelle un anasarque fœto-maternel, qui est incompatible avec la vie. Cette forme, elle est mortelle in utero ou à la naissance. La deuxième forme clinique, c'est la forme hémoglobinose H qui donne une microcytose à la naissance. Plus tard, on va avoir le même tableau que la bêta-thalassémie intermédiaire. Et le troisième tableau, ce sont les alpha-thalassémies. Où il y a un seul ou deux gènes qui sont à
qui est atteint. Et là, c'est la forme asymptomatique de la alpha-thalassémie. Voilà pour les syndromes thalassémiques. Et les syndromes thalassémiques, je rappelle que ce sont des anomalies de synthèse de l'hémoglobine. Maintenant, après, il y a la drépanocytose. Et la drépanocytose est une anomalie de structure de l'hémoglobine, c'est-à-dire qu'il existe une mutation au niveau du codon numéro 6 et où l'acide glutamique est remplacé par une valine, ce qui va donner ce qu'on appelle des drépanocytes. Normalement, vous voyez sur cette image les globules rouges sous forme d'un disque biconcave. Eh bien, lorsqu'il y a cette mutation au niveau du 6e codon, eh bien, les globules rouges vont avoir une forme de banane ou fossile. La forme de fossile. Alors, les drépanocytoses donnent un tableau clinique, en fait des tableaux, j'ai mis en pluriel, des tableaux cliniques, parce que ces tableaux cliniques ne sont pas les mêmes à tout âge. Le tableau clinique varie avec l'âge. En fait, avant l'âge de 3 mois, le nouveau-né est asymptomatique. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'hémoglobine F le protège contre l'hémolyse. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais après 3 mois à 5 mois, il y a apparition de la triade hémolytique. 3 mois à 5 ans, il y a apparition d'une triade hémolytique. Le tableau, il est dominé par ce qu'on appelle le syndrome pied-main. Et ce syndrome pied-main est une dactylite qui est aiguë avec une douleur au niveau des dos de la main et ou du pied. Qui est très douloureux et accompagné d'une fièvre. Tout simplement parce que les globules rouges drépanocytaires n'ont plus cette forme de disque aérodynamique et donc ils ne peuvent plus circuler dans les petits vaisseaux, ils vont créer ce qu'on appelle des microthromboses, entraînant des crises douloureuses. À l'âge de entre 6 à 7 ans, la splénomégalie va régresser spontanément. Pourquoi? Parce qu'elle va dégénérer. Parce que tellement les globules rouges vont créer des microthromboses, elle va régresser. On appelle ça l'asplénisme fonctionnel. Et lorsque la rate n'est plus fonctionnelle, il y a une grande susceptibilité aux infections. Maintenant, de 5 ans jusqu'à l'adolescence et l'âge adulte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Des crises vaso-occlusives. Vous savez, les globules rouges ont une forme discoïde. Pourquoi? Pour faciliter leur mouvement dans les petits vaisseaux. Mais chez le drépanocytaire, les globules rouges ont perdu cette forme de disque. Donc, ils vont être coincés dans les petits vaisseaux.
entraînant des crises vaso-occlusives. Ce sont des crises hyperalgiques, multifocales, avec des douleurs osseuses, ischémiques, et avec des infections, par exemple avec ostéomyélite. On peut avoir, les globules rouges peuvent être coincés dans les vaisseaux donnant des AVC ou un infarctus pulmonaire, ce qu'on appelle le syndrome thoracique, qui met le pronostic vital et fonctionnel en jeu. L'asplénisme est constant. Pourquoi? Parce que la rate, elle a disparu, tellement il y a des thromboses. L'anémie chronique, eh ben, il va retentir sur le cœur, donnant un cœur hyperkinétique, avec une myocardiopathie dilatée. La bilirubine va donner ce qu'on appelle la lithiase. L'excès de bilirubine libre va donner ce qu'on appelle la lithiase biliaire. Et le priapisme, qui est une érection douloureuse due à la vaso-occlusion des petits vaisseaux du pénis. On peut avoir une croissance staturopandorale qui est ralentie. Maintenant, biologiquement, c'est une anémie qui est normocytaire régénérative. Bien sûr, on l'a dit, il peut y avoir une hyperleucocytose lors des crises vaso-occlusives, une thrombocytose. Au frottis de sang, on peut retrouver lors des crises des drépanocytes. Ce sont des globules rouges, ce que je suis en train de montrer avec une flèche, en forme de banane. Normalement, un globule rouge, il a une forme de disque avec un centre clair. Ils vont devenir fossiles, c'est-à-dire en forme de banane. Les stigmates d'hyperhémolyse, c'est-à-dire la bilirubine, elle est élevée, les LDH élevés, l'haptoglobine, elle est diminuée, et l'électrophorèse de l'hémoglobine va montrer, premièrement, ce qu'on appelle une hémoglobine F. C'est un sujet qui est normal, on n'a pas l'hémoglobine S. S, ça veut dire skill, drépanocyte, skill cell. Elle est absente. Chez un sujet normal, il n'y a pas de drépanocyte. Mais si le sujet qui a une drépanocytose homozygote, l'hémoglobine S est supérieur à 85% de l'ensemble de l'hémoglobine, alors que l'hémoglobine F est de 2 à 25% et l'hémoglobine normale est carrément absente. Dans la drépanocytose maintenant hétérozygote, qu'est-ce qu'on va retrouver? On retrouve la drépanocytose hétérozygote, elle est asymptomatique. Elle est découverte lors de l'enquête familiale. Lorsqu'on fait une électrophorèse chez les parents, on retrouve une élévation du taux de l'hémoglobine S à 40% et l'hémoglobine A1, elle est à 60%. Maintenant qu'on a terminé avec les hémoglobinopathies, les anomalies de synthèse et les anomalies de structure, maintenant on va passer aux anomalies de la membrane. Et je vais seulement vous citer la microspirocytose héréditaire.
qu'on appelle la maladie de Minkowski et Chopard. La microspérocytose héréditaire est une maladie qui se traduit par une perte d'une protéine de la membrane du globule rouge. Les globules rouges vont devenir sphériques. Et donc, s'ils vont perdre leur forme, et lorsqu'ils passent au niveau de la race, ils vont être hémolysés, entraînant la triade hémolytique. Maintenant, il y a une autre anomalie, les anomalies qui sont des anomalies enzymatiques. Par exemple, le déficit en J6PD, qui est une enzyme de réduction, d'oxydoréduction lors de la glycolyse. Et donc, dans ces cas de figure, le globule rouge est vulnérable, très sensible aux oxydants. Hein, par exemple, les fèves. Bien sûr, surtout dans cette pandémie, la chloroquine. La chloroquine entraîne une oxydation et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des crises d'hyperhémolyse aiguë. Le déficit en pyruvate kinase, il va donner des hyperhémolyse, des épisodes d'hyperhémolyse chronique, c'est-à-dire la triade hémolytique. Alors que dans le déficit en J6PD, il y a des douleurs lombaires, une hémoglobinémie, une hémoglobinurie, etc. Maintenant, après avoir vu les étiologies de type congénital, on va passer aux étiologies dites acquises. Et parmi les étiologies acquises, je vais détailler l'anémie hémolytique dite auto-immune. Elle est due à quoi, cette anémie hémolytique auto-immune? Elle est liée à la capacité hémolysante des auto-anticorps. Il y a un auto-anticorps qui va se fixer sur un antigène du globule rouge, entraînant son éclatement. Donc, et ces anticorps peuvent être primitifs, c'est-à-dire aucun antécédent chez le malade. Ou au contraire, ça peut être secondaire à une autre pathologie auto-immune, telle que le lupus érythémateux disséminé, une LLC, leucémie lymphoïde chronique, etc., qui va se manifester par une anémie hémolytique auto-immune. Maintenant, il y a deux formes cliniques des anémies hémolytiques auto-immunes. Et ces anémies hémolytiques auto-immunes se divisent premièrement en une anémie hémolytique à anticorps chauds et les anémies hémolytiques à anticorps froids. Alors, c'est la forme la plus fréquente, 80% des anémies auto-immunes en fait. Et elle est, comme toute maladie auto-immune, je vous ai dit ça la dernière fois, elle prédomine chez la femme. Alors que les pathologies cancéreuses sont plus l'apanage de l'homme. Donc, prédomine chez la femme. Et cliniquement, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une triade hémolytique, surtout chez l'adulte, alors que les formes aiguës sont l'apanage de l'enfant.
Deuxièmement, l'hémogramme, qu'est-ce qu'il montre? Il montre bien sûr une anémie normocytaire régénérative, les stigmates de l'hyperhémolyse, je vous ai déjà parlé de ça, et le test de Coombs direct, c'est un test qui permet de détecter la présence d'anticorps sur le globule rouge. Et est positif au IgG, on va retrouver des IgG ou des IgG avec des compléments, avec le complément, et ces IgG sont actifs à 37 degrés, c'est-à-dire ils entraînent l'hémolyse à 37 degrés lorsqu'on met le tube dans le Bain-Marie à 37 degrés. Le traitement repose sur la corticothérapie et la splénectomie, parce que si on et les immunoglobulines polyvalentes, ainsi que l'anti-CD1. En tous les cas, je vous ai résumé le test de Coombs et son indication dans une vidéo. Si vous partez, vérifiez sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver cette vidéo. Deuxième tableau clinique, ce sont les anémies hémolytiques auto-immunes à anticorps froid, ce qu'on appelle la maladie des agglutinines froides. Elles sont beaucoup moins fréquentes que les anémies auto-immunes à anticorps chauds. C'est l'apanage du sujet âgé. Et les signes cliniques, c'est surtout de l'acrocyanose, avec une cyanose au niveau du doigt, des orteils, des lobes des oreilles. En fait, qui surviennent lors des excès de froid. On peut avoir, et vu que c'est une hémolyse, il y a des formes aiguës, on peut avoir une hémoglobinurie. Et le test de Coombs retrouve un anticorps de type IgM, mais maintenant il n'est pas actif à 37 degrés. Il n'entraîne pas une hémolyse à 37 degrés, mais une hémolyse à 4 degrés. Cette évolution est favorable et varie selon l'exposition du foie. Alors, je vous prie de visiter ma chaîne YouTube. Je vais vous mettre un lien ici dans une fiche où j'explique tous les anticorps anti-globule rouge, le test de Coombs, les agglutinines froides. Et je vais vous mettre des liens vers ces vidéos dans la boîte de description. Maintenant, après avoir vu les anémies hémolytiques auto-immunes, on va passer aux anémies de type allo-immune. Généralement, ce sont des anémies post-transfusionnaires. Un patient du groupe A qu'on transfuse avec du groupe B. Hein, ça arrive, hein, des erreurs de transfusion. Ou encore un malade qui est de résus négatif transfusé avec des globules rouges de résus positif. On peut avoir des anémies hémolytiques immunoallergiques. Généralement, elles sont de type médicamenteuse.
l'hyperhémolyse disparaît après l'arrêt de ce médicament. Après les anémies de type hémolytique, il y a les hémolytiques de type immunologique, on passe aux anémies hémolytiques non immunologiques. Et là, je citerai, oui, les anémies hémolytiques non immunologiques sont dues à des agressions direct du globule rouge, soit par un agent infectieux, par exemple le paludisme, est une maladie parasitaire, mais le globule rouge il est agressé, entraînant une anémie hémolytique. Dans les septicémies à Clostridium, la même chose. Les agents chimiques comme l'arsenic, les venins de serpent qui agressent les globules rouges, entraînant leur hémolyse. La chaleur, quelqu'un qui se noie, la noyade, qui se noie, il va ingurgiter une grande quantité d'eau. Et l'eau, elle est hypotonique. Les globules rouges vont gonfler et éclater. Les radiations ionisantes peuvent entraîner une hyperhémolyse. D'autres agents qui sont mécaniques, tels que la fragmentation des globules rouges au niveau du sang, les agents mécaniques vont entraîner la fragmentation des globules rouges au niveau du sang et donc l'apparition de ce qu'on appelle les schizocytes. Les schizocytes, ce sont des globules rouges cassés, qui sont fragmentés. Par exemple, dans les macro-angiopathies, les prothèses valvulaires, un malade porteur d'une valve mitrale mécanique. Les circulations extracorporelles lors des cytopérèses, lors de l'hémodialyse. Les macro-angiopathies comme l'hypertension artérielle, l'éclampsie, le purpura thrombopénique thrombopathique et le syndrome hémolytique urémique dont on va voir dans les anomalies de l'hémostase primaire. On va faire un autre live. Mon collègue va vous décrire ces pathologies dans un live bientôt, Inch'Allah. Alors, il y a un cas particulier. Est-ce que vous avez remarqué que tous les hyperhémolyses congénitales sont de type corpusculaire. Alors, le cas particulier ici, c'est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. En fait, c'est une maladie extrêmement rare. On estime qu'il existe 30 cas en Algérie, toutes réunies. Alors, il s'agit d'une anémie qui acquise, mais elle est corpusculaire, parce que le globule rouge lui manque des protéines qui le protègent contre le complément. Il existe des globules rouges très sensibles à l'action du complément activé. Et cette sensibilité est due à l'absence. Le globule rouge va perdre quelques protéines de membrane.
C'est une hémolyse fréquente au cours du sommeil. Pourquoi ? C'est pour cette raison qu'on dit qu'elle est nocturne. Parce que lorsqu'on dort, le pH plasmatique va baisser. Il va devenir acide. Et ce pH acide va entraîner l'activation du complément. Et vu que les globules rouges n'ont plus de protéines qui le protègent contre le complément, eh bien, il va être hémolysé. Le tableau clinique est celui d'une hémolyse qui est intravasculaire et le diagnostic positif se fait grâce à une technique qu'on appelle la cytométrie en plus qui montre l'absence d'expression des protéines CD55 et CD59 qui sont des protéines protectrices contre l'hémolyse des protéines du complément. Voilà, notre cours d'aujourd'hui est terminé. Il ne me reste qu'à vous dire merci et à la prochaine. J'espère, je pense que ce sera jeudi. Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur ? Oui ? Qu'il y ait une seule question, si c'est possible. Bien sûr. D'accord. La question, c'est est-ce qu'on peut avoir une hémolyse intratissulaire qui est aiguë ou bien intravasculaire chronique? Ah, bravo. Alors, en fait, non. C'est que lorsque l'hémolyse, lorsqu'il commence, il est intravasculaire, mais lorsqu'il dure dans le temps, il va devenir intratissulaire. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, la chronicité, ce n'est pas forcément intratissulaire et intravasculaire. Ce sont deux choses qui sont indépendantes. Mais c'est l'évolution. Les globules rouges commencent à éclater dans la circulation plasmatique, légèrement, et après, avec le temps, ils vont passer dans la rate et les globules rouges vont être phagocytés par les macrophages. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. À la prochaine séance, Inch'Allah. Je pense que ça va être un jeudi, Inch'Allah. Inch'Allah. Oli Kanou Mana, merci beaucoup pour votre attention, pour votre patience. Mais Inch'Allah, à la prochaine. Merci beaucoup, monsieur. Rabbi Habdik. Inch'Allah. À la prochaine. Saha. Salam alaikum.